Yolga se rend à un concert. Elle entre dans une salle où une unique chaise est posée devant une petite scène. Elle s'assied. Elle est la seule spectatrice. L'image de main pinçant les cordes d'une guitare acoustique est projetée sur l'écran. Une voix explique comment jouer les accords de musique simple. Olga est émue aux larmes. Une dizaine de morceaux sont instruits de cette façon, tandis que les mains, les guitares et les voix changent. Olga a toutefois l'impression que la voix des 3e et 6e plages sont identiques. Elle ressort du concert complètement bouleversée. Je parle souvent de papier peint. Et pourtant, le sujet est pour moi inépuisable. J'aime particulièrement les motifs à fleurs, à cause de l'imaginaire qu'ils convoquent, pas celui d'un chant en été, plutôt celui d'un bestiaire un peu ridicule où toutes les pages représenteraient exactement le même animal, ou d'un herbier obsessionnel, dans lequel on aurait figé une même espèce de fleur, dans une position toujours semblable. Olga se réveille le matin et découvre avec horreur une tête de chat imprimée au milieu des motifs de chien de sa robe. Elle frotte l'endroit avec un chiffon humide, puis va chercher un produit rose qu'elle applique consciencieusement sur le tissu. Sans résultat. Plus elle essaie de faire partir la tête de chat, plus les motifs félins se multiplient, menaçant de transformer la robe à motif de chien en robe à motif de chat. Olga ouvre un gros livre à reliure vert pâle et trouve le nom de la maladie qui ronge son vêtement. Des conseils et contre-indications sont indiqués, tous impossibles à tenir. Découragée, Olga se regarde dans son miroir en pied, sa robe désormais presque méconnaissable. Une expression de profond désespoir se dessine sur son visage. Olga se trouve dans une boutique constituée d'une pièce unique, carrée et assez petite. Des étagères casiers sont disposées le long des murs,
y compris le long de la vitrine, laissant juste assez d'espace libre pour la porte d'entrée. Chacun des compartiments qui fragmentent les étagères est posé une théière, plus haute que large, recouverte de plastique coloré. Choisis, prends, ausculte, retourne, secoue, repose. Choisis, prends, ausculte, retourne, secoue, repose. Olga se déplace parmi les étagères, observe les objets, indécise. De temps en temps, elle choisit une théière, la prend, l'ausculte, la retourne, donne de petits coups d'ongles sur la surface en plastique, la secoue, la repose. Choisis, prends, ausculte, retourne, secoue, repose. Choisis, prends, ausculte, retourne, secoue, repose. Après plusieurs heures à prendre et reposer les théières, elle se place à l'exact centre de la boutique et lance un regard panoramique à la pièce, l'air perdu. Choisis, prends, ausculte, retourne, secoue, repose. Choisis, prends, ausculte, retourne, secoue, repose. Elle sort dans la rue en faisant teinter le carillon à tube métallique, accroché au-dessus de la porte. Elle fait quelques pas, s'arrête, hésite, se retourne, revient devant la porte. D'une main peu assurée, elle presse la poignée et rentre à nouveau dans le magasin. Elle se précipite sur une théière, la secoue, puis la repose. Choisis, prends, auscule, retourne, secoue, repose. Elle se tourne ensuite vers une autre théière, la détaille avec attention, puis la remet à sa place. L'air désemparé, elle ressort finalement de la boutique, les mains vides. Choisis, prends, auscule, retourne, secoue, repose. Choisis, prends, auscule, retourne, secoue, repose. Olga a une voix qui enveloppe tout, qui se coule sur le sol, tapisse les murs, orne les plafonds. Une voix qui englobe l'espace et le construit, qui le travaille, qui contourne les reliefs de la pièce en les frôlant doucement, laissant sur son passage la trace infime de ses mouvements. Une voix qui est à la fois douce, mélodieuse, modulée et puissante aussi, parce qu'elle est partout. Parce qu'elle recouvre l'espace de son timbre vaguement changeant, toujours répété.
Une vue d'ensemble sur la pièce permet de... Toujours répéter. Olga ? Olga, une voix qui enveloppe. Sur le carré de gazon devant sa maison, Olga étale une nappe à rayures sur laquelle elle dispose des plats colorés qu'elle a visiblement cuisinés elle-même. Elle s'assied. Arrange sa robe pour qu'elle tombe joliment sur la nappe tout en lui cachant le haut des jambes. Elle avance la main vers un plat, fait mine de se servir, puis se ravise. Elle se tourne vers un autre plat, le contemple longuement, tend sa main droite, et puis la laisse retomber sur ses genoux. Elle se tourne vers un autre plat, le contemple longuement dans sa main droite, puis la laisse retomber sur ses genoux. Ses yeux se perdent dans le vague, deviennent vitreux. Quelques larmes se mettent à couler. Olga se relève, lentement. Très droite, elle s'en va, abandonnant ses plats aux guêpes et aux mouches. Olga est entourée d'instructions pour apprendre à faire un pot en terre cuite. Elle a tout le matériel nécessaire. Bâche en plastique, tour de potier, fil nylon, tablier de travail au-dessus de sa robe à motif de chien et se met avec enthousiasme à la tâche. Bâche en plastique, tour de potier, fil nylon, tablier de travail au-dessus de sa robe à motif de chien. Bâche en plastique, tour de potier, fil nylon. Tablier de travail au-dessus de sa robe à motif de chien. Bâche en plastique, tour de potier, fil nylon. Tablier de travail au-dessus de sa robe à motif de chien. Bâche en plastique, tour de potier, fil nylon. Bâche en plastique, tour de potier, fil nylon. Tablier de travail au-dessus de sa robe à motif de chien. Bâche en plastique, tour de potier, bâche en plastique, tour de potier, fini non, bâche en plastique, tablier de travail dessus, 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 et se mettre avec enthousiasme à la tâche. Le pot fini, Olga le place dans le four où il explose. Olga surfe aléatoirement sur un réseau informatique. Sans intérêt, elle regarde des vidéos, inscrit des questions sur un serveur de recherche, consulte des recettes de cuisine. Sur l'un des sites, une annonce qui propose une aide aux personnes en difficulté attire son attention. Elle lui semble directement adressée. Olga remplit un formulaire d'inscription et une main côté paume apparaît sur son écran, occupant toute la surface. Une voix qui semble sortir de la main se fait entendre. Elle se présente comme monitor, conseiller et interlocuteur privilégié auquel Olga devra désormais s'adresser régulièrement.
Le geste aussi. Olga entame une conversation, explique ses doutes et ses peurs d'une voix bégayante, avec un langage inexact, inapproprié. La main fait mine de comprendre et enjoint Olga à chercher au plus profond d'elle-même qui elle veut vraiment et qui elle est vraiment. Tout sourire, Olga remercie Monitor et ferme son écran. Olga fait les 100 pas dans sa maison, passant d'une activité à une autre, sans jamais se fixer sur rien. Après plusieurs heures, elle semble avoir épuisé les possibilités offertes par son environnement. Sans se décourager, elle reprend un à un et dans l'ordre les ouvrages entamés et se concentre quelques minutes sur chacun, puis passe au suivant. Peu à peu, au moment du passage d'une activité à une autre, elle se met à effectuer quelques pas de danse simples et toujours identiques qui lui permettent de se déplacer à une cadence parfaitement constante. Alors qu'elle s'ennuie profondément, Olga lève rêveusement les yeux sur le mur qui lui fait face et semble apercevoir une excroissance sur le papier peint. Elle s'approche et donne un petit coup d'ongle sur la surface bombée. Comme s'il était constitué de gélatine, l'abcès se met à danser mollement. Dégoûtée, Olga va chercher une aiguille et perce l'excroissance en son centre. Un liquide épais de couleur violette dégouline lentement le long du mur, tandis que la poche se dégonfle. Olga semble prise d'une légère nausée. Elle frotte le mur avec son chiffon, en prenant soin que ses doigts n'entrent pas en contact avec la substance. Au niveau de la poche, une croûte sèche et dure s'est formée. Olga gratte avec un petit couteau. Cette action semble lui procurer un plaisir tel qu'elle continue à gratter le papier peint, puis la couche de colle. Clous, vis, plumes, perles, tiroirs, armoires, de livres, théières, de bureau, tapis, galerie, chevalet, pan de mur, bille de verre, fini, marteau, agrafe, perceuse, tissu, boîte, vitrine, agrafe, tiroir, brasoir, chiffre.
théière, bouilloire, bureau, tapis, cadre, galet, de aimant, ciseaux, colle, cutter, clou, marteau, vis, perceuse, plume, tissu, perle, bouton, de tiroir, raglan, balayage, livre, pinceau, théière, chiffon, bouilloire, bol d'eau, de bureau, tapis, galet, tabouret, chevalet, pan de mur, bille de verre, fini long, tabouret, chevalet, pan de mur, bille de verre, fini long, pied de pavé, ciseaux colorés, pas de fer, beaucoup de rose, trop de bois, sac, cadre, brillant, papier, brassé, bâche en plastique, tour de potier, papier, crépon, petit kit de perforatrice. Tabouret, chevalet, pan de mur, bille de verre, fini long, pied de pavé, ciseaux colorés, plat coloré, papier à lettre, beaucoup d'épices, produits vaisselle, cadre brillant, papier froissé, bâche en plastique, tour de potier, papier, crépon, petit couteau, perforatrice. Bâche en plastique, tour de potier, papier, crépon, petit couteau, perforatrice. Tiroir, armoire, tiroir, livre, armoire, théière, livre, bouilloire, théière, bureau, tapis, de galet, aimant, ciseaux, aimant, ciseaux, intercuteur, cutter, marteau, plat coloré, papier, tissu, bis, produit vaisselle, cadre brillant, papier froissé, bâche en plastique, tour de potier, papier, crépon, bol d'eau, aiguilletrice, pinceau, marteau, perceuse, tissu, sac à bouton, feutrine, agrafe, panier, proverbe, chiffon, 2. Horloge murale orange, papier peint à fleurs, robe à motif de chien, étagère casier, chaussures murale petite trop légère, figurine d'elle-même. Pour intercut miroir en pied de l'appareilleur, plat coloré, papier à l'aide, beaucoup d'épices, produits vaisselle, cadre brillant, papier froissé, bâche en plastique, tour de petit, papier, crépon, petit couteau de métal, planchette de bois, chaussures trop légères, plat coloré, horloge murale orange, aliment, cadre brillant, papier froissé, bâche en plastique, tour de petit, papier, crépon, petit couteau de métal, pour intercut miroir en pied de l'appareilleur, plat coloré, papier à l'aide, beaucoup d'épices, produits vaisselle, cadre brillant, papier froissé, bâche en plastique, tour de petit, papier, crépon, petit couteau perforatrice. Pour intercut miroir en pied de l'appareilleur, plat coloré, papier à l'aide, beaucoup d'épices, produits vaisselle, cadre brillant, papier froissé, bâche en plastique, plat coloré, papier à l'aide, beaucoup d'épices, produits vaisselle, cadre brillant, papier coiffé, 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 chevalier, pan de mur, bille de verre. Bille de verre, finiment, agrafé, fil de bois, fil de fer, tube de con, cube de bois, sac à main, 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 tiroir, armoire, cadre, livre, horloge murale orange, grande boîte en carton, urgence disque, papier froissé, bâche en plastique, tour de potier, papier crépon, petit couteau, perforatrice. Pour intercut miroir en pied d'appareil, plat coloré, papier à l'aide, beaucoup d'épices, produits vaisselle, cadre brillant, papier froissé, bâche en plastique, tour de potier, papier crépon, petit couteau, perforatrice. Pour intercut miroir en pied. Épisode 33. Olga converse avec Monitor. Tandis qu'elle cherche à lui raconter l'avancée des travaux de rénovation de sa chambre, Olga se met brusquement à répéter en boucle quelques mots dont elle ne parvient pas à saisir le sens. Elle l'écoute attentivement. Lui pose une question à laquelle il ne répond pas, puis se concentre à nouveau sur ses paroles, décidé à en comprendre le message profond. Elle entre peu à peu dans un état de transe dont elle ne sort qu'après plusieurs heures lorsque de petits cliquetis irréguliers la ramènent à elle et que son écran s'éteint violemment.
s'il me manque la faculté de parler, c'est parce que je ne peux pas bricoler une langue selon les modèles que j'emploie ailleurs. Cela ne me rend pas vraiment... Mon muette pour autant, je suis simplement obligée d'employer les formulations des autres. Telle une mélancolique, je ne peux parler que par citation. Il a dit que, elle a dit que... Et parfois aussi de façon plus subtile, en éludant les références. À défaut de savoir ou de pouvoir aussi utiliser la voix des autres, je m'arrange en général pour ne rien avoir à dire. C'est comme un téléphone dans la langue. Je connais que le ton. Olga sort frénétiquement de ses tiroirs et armoires tous ses outils. Ciseaux, cutter, marteau, agrafeuse, scie à bois, perceuse, etc. Livres et objets de bricolage. Tissu, clous, boutons, feutrines, vis, papier crêpe, pâte à modeler, agrafe, paillettes, fil de fer, perles, etc. Ingrédients de cuisine et livres de recettes. Et se met à tout ranger selon une disposition différente. Le travail terminé, elle semble insatisfaite et effectue à nouveau l'opération, sortant tout son matériel pour le ranger selon un ordre différent. Après 4 tentatives, elle finit par tout réorganiser selon la disposition initiale. Le lien entre délire et papier peint a déjà été fait ailleurs. Comme un téléphone dans la langue. Comme un téléphone dans la langue.
en mode tout thématique. Respirateur, tu le mets en mode thématique.
Les prochaines dates de Batida, je ne sais pas par cœur. Stéphanie Proust, donc il y a aussi... Magazine de fans... Il n'y a pas de son. Attends. On peut mettre du son. Ça m'entend. Ce fanzine est un magazine de fans d'Olga. Il est réalisé à l'occasion de la réédition du texte Olga de Cléa Chopard. En fait, c'est pas vrai. Le 14 mai 2023, ça c'est vrai. C'est aussi un fanzine de fans de Cléa Chopard. Cette idée a été suggérée par Viva Sanchez Reynoso via un vocal envoyé depuis la Hollande au milieu de la nuit. L'idée a plu à Steph Props, qui est moi, qui a réalisé ce fanatique magazine un peu en catastrophe entre le 1er et le 14 mai 2023 à Genève. Avec un texte et une image de Cléa Chopard, des textes et polaroïdes ratés de Alexandra Bellon, un texte et des autoportraits ratés de Brice Catrin, un autoportrait raté de Philippe Wittner, un texte collage de Viva Sanchez, un lumen raté de Tulip et des textes de Stéphanie Probst, un texte de Lucille Carré, un dessin de Ursule et Chloé Fellman, une contribution anonyme, un dessin de Atelier PDF, des Olga croisées de Carla Isidorou et la pièce sonore de Ensemble Batida sur le texte de Cléa Chopard en QR code. Il y a deux versions, 20 exemplaires sur papier craft froissé, réutilisé et cousu à la main avec des gouttelettes de sang. Et 30 exemplaires sur papier normal, cousu à la main aussi. Et voilà, et je sais pas, tout ça prix libre ou... Voilà. Si ça vous va. Un livre qui a été édité à 61 exemplaires qui portent chacun un titre différent. Donc ça c'est la version originale qui était parue en 2015. Et là je suis en train de refaire des exemplaires. Donc là il y a 27 exemplaires qui sont en cours. Et il y en aura 89 ensuite. Donc aussi chacun avec un titre différent. Donc comme vous l'avez compris, c'est un texte donc, qui est centré autour de ce personnage Olga qui à la base devait être un personnage qui figurerait dans des petits épisodes filmés. Et le problème que j'avais avec ce personnage, c'est que je ne savais pas comment lui trouver une voix. Donc c'est un personnage qui passe son temps à faire du bricolage, à rater des choses, qui a aussi un côté un peu excessif comme ça dans tout ce qu'elle fait. Et je ne trouvais pas de type de parole, de voix, de langue qui correspondent à sa façon d'être. Et donc, en fait, le livre est en soi une sorte de recherche de la voix d'Olga, qui comprend, en fait, donc, 5 voix différentes qui sont distinguées typographiquement par des polices différentes et des emplacements différents sur la page, et qui forment une sorte de caisse de résonance pour cette voix d'Olga qui n'existe pas ou qui n'arrive pas à devenir. Voilà, ça, c'est un exemplaire que j'ai amené de l'ancienne édition. Si vous voulez le consulter, si ça vous intéresse, dites-moi. Et les prochains exemplaires arriveront bientôt. Voilà. Pour la big. Oui, ouais, même avant, mais ouais. Enfin, j'espère. Voilà, je sais pas si...